Hé hey mec, arrête-toi là, faut que je te scanne. Non, tu connais le règlement, nourriture et boisson interdites. Ok, t'énerve pas. Ne bouge pas, je vais te scanner. C'est bon, tu peux y aller. Hé, cette boîte est super! Et maintenant, c'est l'heure d'un petit goûter. Cette couronne est délicieuse. Mais qu'est-ce qu'elle? Aïe! Je suis trop contente, ça a marché! Je garde le reste pour tout à l'heure. Allez, au suivant, on lève les bras. Oh non! Ils fouillent tout le monde! Qu'est-ce qu'on va faire avec nos friandises? Il faut qu'on les cache. Et à ton tour, mec! Tu te fiches de moi? C'est quoi cette tablette de chocolat? Oh, bien sûr! Une petite seconde. Regarde ce tour incroyable! Et voilà! Le chocolat a disparu! Et je l'ai téléporté ici! Waouh! Comment est-ce que tu as fait ça? Mais ça ne change rien au règlement! Passe une bonne journée! Je n'arrive pas à croire que tu lui as donné mon chocolat! Je sais, mais regarde! Grâce à mon tour de magie, on a toujours le mien! C'est vraiment super bon! Mes lèvres! Mais j'ai besoin de gloss! Il est temps de faire un petit voyage! Maintenant, tu as tout le temps de lire ton livre! C'est vraiment beau ici! Ça ne t'embête pas, hein? Encore un peu plus! Phew! Voyons ce que nous avons aujourd'hui! Code maquillage! Code maquillage! Oh! Arrêtez-vous là! Sac rose, s'il vous plaît! Non, pas sous mon autorité! Mais il est tout neuf! C'est une tache? Faut que ça brille! Stop! Qu'est-ce que c'est que ça? Rien ne m'échappe! Ne bougez plus! C'est super éprouvant nerveusement! Et maintenant, je vois pourquoi! J'appelle mon supérieur! Non! On va juste y aller! J'adore mon travail! Une autre passagère? On dirait que tout va bien! Il aime le genre instagrammeuse, hein? Alors c'est ce qu'il aura! Pouvons-nous embarquer, s'il vous plaît? Merci beaucoup! Qu'est-ce que c'est? Oh waouh! J'ai laissé tomber un truc! C'est pas cool! Dehors! Dehors! Quelle journée! Pardon, merci! Je peux enfin me maquiller! Mon avion! Dites à ma mère qu'elle va me manquer! Je vais en profiter pour faire du tourisme! Au moins, je serai frais! Le travail scolaire ne s'arrête jamais. Oups! Je n'ai plus du tout de gomme! Attends, je ne peux pas effacer avec ce truc! Il va falloir que je trouve autre chose à mon avis. J'ai laissé ma grosse gomme à la maison! Oh, Justine ne regarde pas! Je vais prendre ça. Plus un geste, Gabi! C'est quoi le souci? N'utilise pas celle-là! Prends celle-ci. Quoi? Ce n'est pas une gomme. C'est encore mieux. Moi aussi, j'en veux!
Je vais te montrer comment faire. Commence par retirer la gomme. Cela devrait juste glisser librement. Maintenant, on a le papier et la gomme. À l'aide d'une lame, coupe une petite partie de l'extrémité, puis un autre au milieu. Comme ceci. Débarrasse-toi du milieu. Maintenant, remets le gros morceau dans le carton. Mais pas en entier. Là, c'est le moment d'ajouter des bonbons. Il faut qu'ils soient petits. N'oublie pas de refermer. Et voilà de quoi effacer toutes tes petites fins. Yeah! Tiens, Gabi, c'est l'heure du goûter. C'est bon! Je dois finir avant que les élèves ne débarquent. Une touche de couleur ne fait jamais de mal à personne. Ce truc sent vraiment bon. Bonjour! Pas de maquillage. Désolée, Olivia. Les règles ne s'appliquent pas aux profs, hein? C'est pas juste, je déteste cet endroit. Et maintenant? Comment est-ce arrivé là? Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre là-haut? Tu es de retour, Olivia? Qu'est-ce que tu as sur la tête? Vous le voyez? Oh non! Ah! Salut! Tu peux m'aider? Ok. Parfait! Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils n'ont pas de maquillage, n'est-ce pas? Reste cool! Vous cachez quelque chose tous les deux? Bien sûr que non! Ça va! Tout m'a l'air bien! Ah, on a eu chaud! Quelqu'un connaît la réponse? Je suis plus intéressée par ça! Involontaire? Qu'est-ce qui vient de se passer? Oups! Désolée! Léo? Tes lèvres ont toujours été de cette couleur? Vous aimez? Non! Va te nettoyer! Les jeunes! Désolée! Vous pouvez entrer. Bonjour, je suis là pour le défilé de mode. Qu'est-ce qu'il y a dans vos mains? Non. Ce n'est pas autorisé. Mais... mes bonbons! Allez-y, partez d'ici. J'ai attendu ce défilé toute ma vie. Mais je crève de faim aussi. Hé, ce bonbon est en train de me donner une idée. Oui, ça pourrait totalement marcher. Je vais les coller sur mes cuisses. Je pourrais aussi lancer une nouvelle mode. Voilà, le dernier. Je suis si maligne. Bon, que le spectacle commence. Excusez-moi, je suis de retour. Je voudrais participer au défilé maintenant. Voyons voir. Parfait, ça m'a l'air correct, vous pouvez entrer. Oui, je l'ai fait. C'est presque un rêve qui devient réalité. Oh, ces cuisses, c'est ma propre création. Elles cachent également un secret. Les meilleures cuisses du monde. Combien de temps vais-je rester ici? Je n'ai rien fait de mal. Comment se fait-il qu'elle se maquille? Je suis un vrai monstre! Je dois appeler Léo! Je me demande où est Olivia? C'est elle? Une photo de maquillage! Ma balle! Léo! J'ai eu ton message!
Il n'y a personne? Là! Tu es mon héros! Je ne crois pas! On y était presque! Salut! Ah, oh, je n'arrive même pas à dessiner! C'est Léo? L'art du camouflage, les amis! Il croit qu'il est invisible? Ce garçon a perdu la tête! Jeune homme, vous pensez que je suis aveugle? Elle a tout fichu en l'air! Ouais! Il est encore là? Ouais, frérot, carrément! Il ne parle à personne! Oups! Mon fard à paupières! C'est du rouge à lèvres sur sa cuillère! Il n'y arrivera jamais! Presque! J'ai le droit de manger un truc, non? Ok! Je m'en doutais! Vas-y! C'est du rouge à lèvres! À quoi je ressemble? Je t'aime! Je dois y retourner! C'est moi la plus belle! J'espère que vous avez bien révisé pour l'examen. Tant que j'ai mes livres de cours, tout ira bien. Vous avez déjà goûté ce soda. Il est vraiment très bon. Je crois que je suis prête. J'ai tout révisé. Je dois juste rester calme et garder l'esprit clair. Comme ça, à moi le A! Il va bientôt falloir que je remplisse mon verre. Très bien. On a commencé. Voilà, on y est! Vous pouvez y aller! C'est parti! Heureusement qu'on a droit au livre, ça va être plus facile! Où est-ce que c'est? Je suis sûre que la réponse est là-dedans! Que la fête commence! Ça va être un jeu d'enfant! Pas de quoi s'inquiéter! L'horloge tourne! Je ne le trouve pas! C'est trop facile! Allez, on continue! C'est moi où il fait un peu chaud. Je ne m'en sors pas. Je croyais que tu étais prête. Chut, j'essaye de me concentrer. Il faut vous dépêcher. Le sablier du temps s'écoule. Le temps est bientôt fini. Il est temps de terminer. Je vais avoir une super note. Aïe! Hé, c'est quoi ton problème? Tu viens de me frapper avec un livre. Ça fait mal. Une seconde, je crois que j'ai une idée. Je vais empêcher Mickey de me frapper avec ses livres. Je place des pailles colorées entre deux feuilles de papier cuisson, puis je passe le fer à repasser dessus. Ça permettra de faire fondre les pailles, sans les brûler. Maintenant, je vais faire un trou à l'extrémité. Je passe une corde à l'intérieur. Puis je fais un nœud. Ça devrait aider Mickey. Hé ! Quoi ? Waouh ! C'est parfait ! C'est plus facile pour trouver les réponses. C'est exactement ce qu'il me faut. Ça y est, c'est terminé. Rendez-moi vos copies. J'ai réussi. Ouais. Ah, quel soulagement. Wouhou. Ouais, c'est bien moi. Prête pour le spectacle. Attention. Wouhou. Ouais. Oh. Oh, merci, vous êtes adorables. J'ai toujours du temps pour mes fans. N'oubliez pas que je n'accepte que l'argent liquide ou l'or. Partez maintenant! C'est pas facile d'être pom-pom girl. En plus, il faut toujours être belle. Mais bon, pour moi, c'est facile. Je vais juste faire quelques retouches. Salut Stacy, je peux avoir un autographe? Je suis ta plus grande fan. Tu veux bien écrire pour Mickey, ma meilleure amie? Tu as quelque chose dans tes cheveux. Comment c'est arrivé là? Burke? Oh non, c'est tellement embarrassant! Je suis vraiment désolée, Stacy! Une seconde, j'ai une idée! Je vais mettre les épluchures de crayon dans un moule. Je vais en mettre un peu plus. Ensuite, je verse de la résine époxy transparente et puis j'attends que ça durcisse. C'est bon, je peux retirer le moule. Après, j'y accroche des attaches de boucles d'oreilles. Et voilà, des bijoux uniques! Waouh, c'est trop joli! Stacy, attends! J'ai quelque chose pour toi! Des boucles d'oreilles? C'est pour moi? Waouh, je les adore!
Elles vont bien avec tes yeux. Tu as déjà envisagé un relooking? Qu'est-ce qu'il m'arrive? Je me sens différente. Et j'ai le tournis. Accroche-toi à moi. Ne bouge pas. Voilà, c'est mieux. Waouh, j'y vois tout flou. Ouille! Oups, c'est ma faute. Attends, je vais t'aider. Parfait, tu es très belle. Oh, j'ai trop faim. Oh, c'est dur, mais j'ai une idée. Attends une seconde. Ah ah, c'est ça que je cherchais. Ok, et voilà. Je vais en mettre sur tes lèvres. Ça a un goût sucré. Je sais, continue. C'est tellement bon. Merci. C'est ma palette super secrète. J'ai retiré tout le maquillage et ensuite j'y ai mis des bonbons en forme d'ours. J'ai rempli toute la palette. Avec deux oursons pour chaque trou. Et ensuite j'ai utilisé mon sèche-cheveux. Parce que je voulais faire fondre tous les bonbons. Ils ont fondu assez facilement. J'ai dû m'assurer qu'ils étaient tous chauffés. Et ensuite, c'était fini. Le résultat était parfait. C'est pour ça que c'est si sucré. Parce que c'est un bonbon. Tu es un génie. C'est trop bon. Votre attention, s'il vous plaît. Waouh, des équations comme celle-ci requièrent un cerveau bien nourri. Je crois que je ferais bien de me dépêcher de manger ça, alors. Ah, j'ai cru entendre quelqu'un manger. Mais ça devient compliqué quand la nourriture est interdite en classe. Mais pas de panique! Cacher de la nourriture en classe, c'est plus facile qu'on ne le pense. Votre attention, cette partie est compliquée, alors soyez attentifs. Le cours de maths serait bien plus amusant si on avait à manger. C'est clair, ça fait déjà une heure que j'ai faim. Bonjour, je voudrais passer une commande. Le plus vite sera le mieux. Waouh, Justin a commandé des pizzas. Et il y en a assez pour tout le monde. D'où vient cette odeur? On ne sent rien du tout, monsieur. Il suffit de faire comme si de rien n'était. Bon, revenons-en à notre équation. Si tu veux pouvoir te régaler en classe, il te suffit de suivre ces astuces. Youpi! Joyeux anniversaire à moi! Je sais qu'il se passe quelque chose dans mon dos. Croyez-moi, aucun prof ne pourra t'arrêter. Hé, c'est quoi ça? Oh, c'est un flyer pour un spectacle ce soir. On y va, c'est sûr. Waouh, une seconde. Aucune nourriture ne passera ces cordes. Vous pourrez grignoter après le spectacle. Stop! Je n'ai rien du tout. C'est ce qu'on va voir. La main dans le sac. Je ne veux pas avoir d'ennui, moi aussi. Allez, file de là. Je pense pouvoir trouver une solution. Ça va être grandiose. Commence par retirer les manches de ton pull. Puis recouvre ton sac à dos avec ton pull, comme ça. Alors on y va? Avec des joues potelées, c'est encore mieux. Regarde ça, ce plan est infaillible. Une petite seconde. C'est bon. Trop naïve. Qu'est-ce que tu as mangé, Gabi? C'est juste mon sac à dos. Tu veux grignoter quelque chose? Hé! On peut en avoir ici aussi! Oh, les bonnes nouvelles vont vite! Le spectacle va bientôt commencer! Top là! Et voilà, plus aucun nœud dans mes cheveux. C'est l'heure du goûter. Trop bon. Oh,
Gabi a des bonbons. Oh, salut. Hé, je peux en avoir? Je t'en prie, tiens. Oh là là, Justin est en train de me fixer. C'est incroyable comme il est mignon. Oh, salut. À plus, Gabi. Quoi? Elle va le voir juste comme ça? Tu veux qu'on partage? Tiens, prends tout ce que tu veux. Merci. J'arrive pas à croire qu'elle ait donné tous mes bonbons à Justin. Oh, aïe, ma brosse est cassée. C'est peut-être un bon signe finalement. On va cacher des bonbons directement dans la brosse. Il rentre pile poil sous les pics. Rentrez là-dedans, petit bonbon. Maintenant, on remet les pics en place. Tada! Ils sont parfaitement cachés. Maintenant, quand tu auras une petite envie de sucre, tu n'auras qu'à te brosser les cheveux. Comme ça, tu pourras profiter d'un petit bonbon. Oh! Gabi est en train de manger quelque chose. Donne-moi. J'ai rien du tout. Je m'en fiche d'abord. Ah, ce cours mériterait d'être plus amusant. Même si ce n'est que dans ma bouche. Votre attention, les enfants. Oh non, mon chewing-gum! Oh non! Oups! Attention! Qu'est-ce que c'est? Du chewing-gum? C'est vraiment dégoûtant! Mon chewing-gum! Oh, c'est le pire jour de ma vie! Hé! Ce dévidoir de scotch est parfait! Ces trucs ne servent pas qu'à dérouler du scotch. Retire le rouleau de scotch comme ça. Ce sont aussi d'excellents dévidoirs à chewing-gum. Place le chewing-gum dedans. Maintenant, tu peux découper le morceau parfait. Tiens, Gabi! Waouh! Merci, Justin. Ne le dis à personne. Ah! Est-ce que je suis à l'heure? Tout juste. Je vais m'asseoir. Eh bien, vas-y. Oui, oui. Elle est mal lunée. Excuse-moi, mais... T'as vu tes cheveux? Je crois que j'ai une brosse là-dedans. Ouf, heureusement. Le vent est mon pire ennemi. Jennifer. Abracadabra, ta brosse disparaîtra. Hein? Mais comment est-ce qu'elle est rentrée là-dedans? C'est de la gelée? Il faut que je brosse mes cheveux. Elle croit qu'elle peut m'avoir. Mais j'ai encore mes doigts. Tu as l'air de souffrir. Je vais t'aider. Tiens, un cahier? Mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Il faut tout expliquer. On dirait un cahier normal, mais il cache en fait un peigne. Avec un peu de colle chaude, colle le peigne sur la reliure métallique. Et voilà, c'est prêt! Mais c'est du génie! Et tellement simple! Mes cheveux vont être soyeux! Mais elle frotte un cahier sur sa tête. J'ai peut-être besoin de nouvelles lunettes. Elle n'y a vu que du feu! Bien joué! Waouh!
quelques minutes plus tôt. Je pense que ça suffira. Hé, Tina, tu es prête? Lequel choisir? Celui-ci ou celui-là? Oh, j'ai trouvé! Presque! Ah! Fais attention! Hein? C'était quoi ce bruit? Je ferais mieux de me remettre au travail. Regarde un peu ce désordre. On devrait nettoyer. Tina, je croyais que tu voulais les enlever, ces chips. Pas les manger. Tout a l'air bien. Je n'ai plus rien à faire ici. Allez, à la maison. Phew! Encore une journée chargée. Pourquoi ça s'assombrit? On est enfermés. Hé, laissez-nous sortir. Au secours. Oh ouais. Allô, on est là. Et c'est quoi le problème? On est coincés là? Vraiment? C'est trop injuste. Je sais. C'est vraiment trop... génial! Arrête ça! Tu ne comprends pas? On est littéralement dans un magasin de bonbons. C'est comme dans un rêve. Tu as entendu ça? C'est un tremblement de terre? Non, c'est autre chose. Piou, j'ai réussi. Salut! Salut! Bouh! Qu'est-ce qu'on va faire? Il nous faut de l'aide. Tu te prépares un encas? J'ai faim. On a un petit problème à régler, Tina. Il y a un cambrioleur juste à côté. D'accord. Attends un peu, j'ai une idée. Tiens ça, je reviens tout de suite. Surtout pas un bruit. C'est un bon plan, non? Tu es sûre que ça va marcher? Ça va être trop drôle. Il me faut du pop-corn pour ça. Oh, j'adore la pâte à tartiner. Oh oh, il y a un problème là. Sérieusement? Waouh! Oh, je sais. On va le mettre en musique. Hé, hey, ce n'est pas drôle. En fait, ouais, on se lâche. C'est inné chez moi. Il danse trop bien. Oh, attends. 4 ans de danse classique. Les meilleures années de ma vie. Admirez mon élégance. C'est le moment du remix. Regardez ça! La vague, indémodable. Et voilà! Aïe! Je ne m'y attendais pas. C'était trop drôle! Qu'est-ce que je devrais prendre d'autre? Voler, ça donne soif. Délicieux! La voie est libre. Ok. On passe au plan B. Allons-y. Je dois faire vite. Ce sera une très agréable surprise. Je file vite. C'est quoi ce bruit? Waouh! Hé, ne bougez pas. Oups. Attendez un peu que... Hein? Oh non! C'est trop gênant! C'est déjà un carton sur les réseaux! Où sont-elles? Oh, du chewing-gum! Trop bon! Haha! Trouvé! Ah! Aïe! Elle m'a mordu! Mon pauvre petit doigt! Très bien! Pas de pitié! Youhou! Hé, arrêtez! J'ai peur du noir! Cours! Ah! J'aurais mieux fait d'entrer dans la police! Maintenant, c'est personnel! Non, pas besoin de ça! Oh, ça pourrait bien me servir! Non! Ça, c'est bien mieux! Ou pas, en fait! Wouhou! Ça, c'est parfait! Il faut qu'on trouve d'autres pièges! Dis-moi que c'est ta main, s'il te plaît. Ah! Cours! Waouh! Ma tête! Oui, ça a marché! C'était impressionnant! Carrément, vite par ici! Ah, c'est la meilleure soirée de ma vie! On s'amuse trop! Hé, je sais ce qu'on va faire ensuite. Waouh! Tu es un génie! Oh, mon chewing-gum! Tina, vite, prends ça! J'utilise mon chewing-gum pour le coller au rayon. Ça devrait suffire. Je vais attirer son attention. Hé, on est là!
Nananana. Reviens là. J'espère que tu aimes les gâteaux. Vous ne pouvez pas me laisser tranquille. Ça suffit. J'essaie juste de faire mon travail. C'est à la vanille? Voilà, mon régime est fichu. Où sont-elles passées? Oh, les voilà. C'est une occasion en or. Attends. Pas si vite. Je passe en mode furtif. Ok, il ne faut surtout pas qu'on se sépare. Burke, tu sens cette odeur? On dirait un fromage qui pue. Aucune idée de ce que c'est. Elle est de plus en plus forte. Elle ne se doute de rien. Oh, c'est le cambrioleur! Fais quelque chose! Fais gaffe! Mes bonbons! Attends! C'est exactement ce qu'il nous faut. Je vais verser les bonbons sur le sol. Ça devrait arrêter le voleur. C'est si excitant! Ma revanche a sonné. Je vous tiens. Regarde en bas. Oh non! Aidez-moi! Aïe! Mon dos! Je t'en prie, ne tombe pas! Ça va faire mal! Phew! C'est mon jour de chance. Hé, salut! Ne bouge pas. Je suis allergique aux produits laitiers. Vous êtes trop méchante. Vous pensez pouvoir vous cacher? Je vous tiens maintenant. Viens par ici. Mais qu'est-ce que... C'est fou que tu sois tombée dans ce piège. Vite, fuyons. On devrait être à l'abri ici. Baissons-nous. Un petit encas? Des chips! Il faut que je garde des forces. Tu as terminé? C'est important de recycler. Garde un œil ouvert au cas où. Qu'est-ce que c'est? Tu as ton téléphone? Excellente idée! Un selfie? Tina, concentre-toi. Hé, on était belles sur cette photo. Ok, je crois qu'on est prête. Pourquoi n'ai-je pas volé une banque? Ça aurait été plus facile. Il est là! Vas-y! C'est quoi ça? Des chiens? Oh non, je hais les chiens! Ça fonctionne! Je crois qu'il pleure. Il faut qu'on soit prête. Tina, ça, ça pourrait servir. Comment? On l'utilise comme piège. Il doit y avoir de l'argent là-dedans. Wouhou! Gagné! À nous de jouer! Tiens, tu peux utiliser ça? Et moi, j'ai l'appât! Je vais tendre le piège! Ce cambrioleur est si bête! On va faire une partie de pêche! Délicieux! Mais ça manque quand même de lait! Oh, bonjour! Où est-il passé? Je savais que ça fonctionnerait! Tu crois pouvoir m'échapper? Ne bouge pas! Aïe! Non! Mon si beau visage! Non, 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 non! C'est bon! J'ai parlé trop tôt! Équipe de choc! Je veux juste rentrer chez moi et prendre un bon bain chaud. Oh non! Quoi de neuf, mec? Tiens, tiens, tiens! Vous êtes les pires! Prends-toi ça! Hein? Je n'en reviens pas. Heureusement que je l'enregistre. C'est la meilleure série comique. Je veux dire, mieux vaut que je règle ça. Arrêtez de me griffer! Ah! Ces lumières vives! Que se passe-t-il? C'est le pire des cambrioleurs. On y va! C'est de votre faute! Gros nul! Pourquoi vous nous arrêtez? C'est qui le gros nul maintenant? Je ne fais que mon devoir.
un jour, un tableau. Le concept est super marrant. Je préfère largement mes pinceaux. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Je fais toujours une retouche après manger. Non, non et non. Jette ça tout de suite. Oh. Sérieusement? Ok, super. Voilà, c'est bon. Cette règle est vraiment ridicule. Ah, il ne regarde plus par ici. Au moins, je peux toujours remettre un peu de rouge à lèvres. Cette couleur est parfaite. Naomi, ça suffit. J'allais justement le jeter, monsieur. C'est bon? Désolée. Oh, mais attends. Il suffit que je trouve autre chose. Alors, qu'est-ce que j'ai sous la main? Je vais faire avec les moyens du bord. C'est parti. Oh, c'est plus compliqué que ce que je pensais. Et voilà, une petite étoile toute mignonne. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Je la mets sur mon tube de colle. Et voilà, maintenant je peux m'en servir comme d'un tampon. Plus besoin de maquillage. Je vais en faire une de chaque côté. Hein? Elle n'a plus de feuilles ou quoi? Qu'est-ce que... Je n'en crois pas mes yeux. Oh! C'est mignon, non? Allez, un peu de ça. Et une goutte de ça. Et un peu de magie, bien sûr. Ça agit. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, il y a quelque chose qui cloche. Quelle catastrophe! Est-ce qu'ils s'en sont aperçus? Oh! Moi, oui. J'ai jamais été très forte en chimie. Oh, j'espère que c'est pas permanent. C'est parti? Tout le monde te regarde. C'est bizarre. Tu perds ton temps. Prends un taille-crayon comme ça, une fois vide. Tu y verses ton fond de teint préféré, puis tu remets le couvercle. Ensuite, tu mets un peu de colle sur le bout d'un crayon. Et tu y attaches une éponge à maquillage. Prête? Ce monde est si injuste! Quoi? On va arranger ton petit minois. Vraiment? Mais c'est cool! Trempe l'éponge une fois ou deux et ta journée est sauvée! Je n'ai même pas besoin de miroir! C'est beaucoup mieux maintenant! Et il était là! Non, je veux pas voir ce film, nanana! Qu'est-ce que c'est que ça? Hey! Vous deux, pas de maquillage ici! Vous ne savez pas lire? Quoi? Ça va, c'est juste un tube de rouge à lèvres. C'est vraiment nul. Attends. Je vais te montrer quelque chose. Fais comme moi et cache ton rouge à lèvres au bout de ton parapluie. Ça tombe bien, on a le même. Comme ça, tu peux en mettre discrètement sans que personne ne remarque. Comment est-ce que tu as fait? D'abord, découpe la pointe de ton parapluie. Ça peut prendre un peu de temps. Mais avant d'y mettre ton tube de rouge à lèvres, mets un point de colle. Et colle le tube à l'extrémité de ton parapluie. Tu peux essayer? Tout le monde croit que tu tiens un parapluie. C'est une astuce géniale et toute simple. Et voilà, on se remet à l'ombre. Je trouve que je m'en sors plutôt bien jusque-là. Moi, je préfère me concentrer sur mes ongles. Qu'est-ce que je donnerais pour être au salon de beauté? Waouh! Toutes ces couleurs, c'est dingue! Et voilà, c'est terminé! Merci beaucoup! J'adore l'odeur de l'argent! Waouh! Hein? Naomi, qu'est-ce que j'abrite encore? Donne-moi ça! Quoi?
Le maquillage est interdit en classe. Allez, donne-moi ça. Non, mais je rêve. Bon, ça va, voilà. Tiens, je crois que j'ai une idée. Je t'emprunte ça un moment. Prends une lime à ongles et perce un trou avec ta perforatrice. Ensuite, prends un cutter et retire le plastique situé à l'extrémité. Remplace la lame par la lime à ongles. Et remets les pièces en place. Fastoche! Bien, me voilà de retour. On ne dirait même pas que c'est une lime à ongles. Hein? Mais la prof a dit... Madame? Quoi? Naomi est encore en train de se faire les ongles? Ça suffit maintenant! Je travaille, c'est tout. Très bien. C'était moins une. Parfois, une petite retouche est nécessaire. Faut que je me dépêche. Jennifer? Hein? Je lis, madame. Tu connais la règle. Oui, je connais la règle. Jennifer! Encore un tout petit peu. Ah! J'abandonne. Je ne l'attraperai jamais. Je m'ennuie. Dommage que je ne puisse pas les utiliser. Ou peut-être que si. J'ai une idée. Prends un marqueur normal et enlève son étiquette. Enlève ça aussi. Ensuite, tu prends ton mascara préféré et tu mets une goutte de colle juste ici. Et tu n'as plus qu'à coller ce bout de plastique dessus. Enfin, tu colles l'étiquette de ton marqueur. Marqueur ou maquillage? C'est mon petit secret. Je ne peux pas vivre sans mon mascara. Et la prof n'a rien vu. Du bon boulot. Et je suis si jolie. Jennifer, pourquoi tes cils sont-ils si longs? Voyons un peu ce qu'il y a là. Je ne vois pas de maquillage. C'est incompréhensible. J'ai besoin de faire revoir mes pouvoirs. Bonjour les enfants. Rappelez-vous de la règle. Pas de maquillage. Oui, on s'en rappelle. Mais une règle est faite pour être enfreinte. Oups! Quand on enfreint les règles, la créativité est la plus haute importance. Encore une petite touche couleur. Le mien est aux fruits rouges. C'est doux! C'est doux et c'est joli. Le club des licornes a encore frappé. Elle me regarde? C'est peut-être l'occasion ou jamais. J'ai tout entendu. Entendu quoi? Je vous garde à l'œil. Mince! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais essayer d'en manger indiscrètement. Oh, salut mon bon ami! Oh non, elle est juste là! Je savais que vous mijotiez quelque chose. Reposez ça! Oh, et maintenant? Bonjour, vous allez voir le dentiste aussi. Oh, bonjour! Attendez deux secondes! Vous êtes un sauveur! Oh, dites donc! Personne ne m'avait jamais appelé comme ça avant! Parfait, ça va être la solution à mon problème. Ok, j'ai mis mon faux casque orthodontique. C'est le moment de manger un petit bout. Je mange et personne n'a rien remarqué. Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Rien, c'est juste mon appareil dentaire.
Ah bon, tant que vous n'êtes pas en train de manger. Oui, oui, il n'y a que moi et mon casque orthodontique. Je ne mange pas. Je n'arrivais pas à croire qu'elle lui ait donné une rose. C'est le moment d'être le plus discret possible. J'ai juste besoin d'un petit goûter. Aïe! Je me le suis jeté dans l'œil! Non! C'est sûr qu'elle a entendu ça! Hé, vous! Donnez-moi ces bonbons! Bon, ça n'a pas fonctionné comme je l'avais imaginé. Hé! C'est une idée de génie! Alors, il va me falloir un foulard et de la colle alimentaire. Je vais juste déposer un point de colle sur le foulard. Et comme ça, je peux y coller les bonbons. Hop! Je les colle tous. Génial! J'ai fini! Oh, mes pauvres dents! Hé! C'est le moment d'une bonne pause bonbon. Ça, c'est une rage de dents qui me plaît. C'est bon, le dentiste vous attend dans son bureau. Oh, bien sûr. Il faut que tout reste bien caché. Est-ce que vous pouvez enlever votre écharpe, s'il vous plaît? Oh, bien sûr, docteur. Oh là là, c'est un cas de variole. Un instant. Il y a quelque chose qui ne va pas sur mon visage? Ne vous inquiétez pas, ça devrait vous remettre sur pied tout de suite. Attendez un peu, ne bougez pas. Oh là là, je m'ennuie. Oh, ça en met du temps. Hein? C'est quoi ce texto? Oh, des bonbons, ça va rendre les choses plus intéressantes. Hein? Vous n'avez pas lu le panneau? Les boissons et la nourriture sont interdites. Incroyable, ils essaient toujours de faire rentrer de la nourriture en douce. Oh, waouh, elle est magnifique. Bonjour mademoiselle, comment puis-je vous aider? Eh bien, je suis là pour rendre visite à mon ami. Oh, que signifie cette affiche? Oh ça, ce sont juste des médicaments. Et voilà les bonbons. Hein? C'est quoi ça? Waouh, une voiture téléguidée! Elle est également remplie de bonbons! Trop bon! J'ai vraiment de très bons amis. Voilà, c'est juste un rappel pour nous, les docteurs. D'accord, merci. Attendez, ne partez pas! Zut! Retour au travail, je présume. Aujourd'hui, je ne veux voir aucun maquillage en classe. Je veille au grain. Non, je ne crois pas, non. Mais ce n'est rien qu'un peu de poudre. Tu sais lire ou non? Oh, bon d'accord. Je n'avais jamais remarqué qu'elle avait autant de bijoux. Intéressant. Je vais transformer mon maquillage en bijoux puisque c'est comme ça. Utilise de la colle chaude et des paillettes pour décorer ton poudrier. Tu peux le décorer à ta guise. Ensuite, prends un bracelet et mets-y un point de colle. Puis, colle le poudrier au bracelet. Et voilà! Je peux entrer? Voyons voir. Je ne vois pas de maquillage. C'est bon. Tu peux y aller. Merci. Ça a marché comme sur des roulettes. J'ai quand même eu chaud. Heureusement que j'ai mon poudrier. Alors, c'est qui la plus forte? Alors, c'est qui la plus forte? Rien de pire que d'être en retenue. Oh mon dieu, j'ai faim en plus. Est-ce que le professeur me regarde? Bon, je pense que je peux chipper une collation. Ces chips feront l'affaire. Hé, hey, qu'est-ce qui se passe ici? Hé hey. Tu connais les règles ici. Désolé. Ah, il est si méchant. Je garde les yeux sur toi. Attends une seconde. Je pense que je suis un génie. J'ai besoin de mon plumier. Car il contient en réalité plus de bonbons. Ah. Bon, où est mon taille-crayon? J'ai besoin de tailler ça. J'arrive pas à croire que ça fonctionne. Je suis si intelligente. Qu'est-ce qu'elle mijote? Oh, je suis juste en train de tailler mon crayon, vous voyez?
Maintenant, je retourne à mon écriture. Tout semble en ordre. Ok, il a l'air de nouveau distrait. Il est temps de manger un morceau. Miam, trop bon. Je suis si intelligente. Dites donc, il y a beaucoup de panneaux indiquant que la nourriture est interdite ici. Mais je fais ce que je veux. Non, vous ne faites pas ce que vous voulez, pas ici. Je ne sais pas à quoi elle s'attendait. Il faut être rusé quand on va chez le dentiste. Caché à la vue de tous. Ça vaut vraiment le coup? Il faut que je mette assez de colle. C'est trop génial! Oh, j'ai faim! Oh, c'est vrai! Ma colle! Mais enfin, qu'est-ce qu'elle fabrique? C'est rafraîchissant. Gabi! T'as des idées noires ou quoi? T'en veux? Burk! Non, c'est dégueu! Tant mieux! Ça en fera plus pour moi! C'est pas de la colle, gros malin! Est-ce que tu as une bouteille de colle vide? Lave-la avec de l'eau et du savon. Assure-toi qu'elle soit bien nettoyée. Puis remplis-la avec un aliment sucré. Veille à ce que ça ressemble à de la colle. Miam, du chocolat blanc. Ça sera parfait. Remplis-la jusqu'à ras-bord. Pour moi, ça ressemble à de la colle. Remets le bouchon en place. Et voilà! De la colle? Plus maintenant! Waouh, je peux essayer? Trop bon! J'en veux encore! Parfait! C'est bon, Justin, rends-la-moi! C'est la mienne! Ensuite, on multiplie. Eh bien, ça venait du cœur. Il faut que je check mes messages, ça fait longtemps. Oh, un message de Naomi. Une fête? Sérieux? Génial! Tu y vas? Évidemment! Des retouches s'imposent. D'abord, le fard à paupières. Excuse-moi. Missy, tu connais les règles, non? Pas de maquillage en classe. Quoi? Cette règle est trop nulle. Oh mince, c'est pas de chance. Oh, attends un peu. Tu n'as qu'à utiliser ma calculatrice spéciale. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Prends-la, je te dis. D'accord. Waouh, c'est une idée de génie. Approche. Quoi? Non, ce n'est pas vrai. Recouvre ta palette de papier mousse et découpe des petits carrés pour faire les touches. Pour l'écran, un morceau de plastique suffira. Et voilà. C'est parti. On va voir si ça fonctionne. Ces couleurs sont magnifiques. Et qu'est-ce que je viens de dire? Je crois que vous vous trompez, ce n'est que ma calculatrice. Hein? Je n'y vois pas clair, moi. Bon, d'accord, reprenons. Ça a marché! Personne ne regarde. C'est le moment ou jamais. Je ne crois pas, non. Vous connaissez les règles. Oh, c'est injuste. Regardez-le. Oh, j'ai un plan. Il y a quelque chose qui manque à ce tableau. C'est bon, je crois que la voie est libre. C'est le moment de faire illusion dans ce déguisement.
Bonjour, je suis médecin. Je veux dire dentiste. Je vais y aller. Tiens, il me dit quelque chose. Il y a quelqu'un là-dedans? Je crois que je suis tranquille. Je peux enlever ce costume. C'était moi pendant tout ce temps. Et ma blouse de médecin a les poches pleines de bonbons. Et de tout ce qui existe de bon. Personne ne peut m'arrêter maintenant. Je peux manger autant de bonbons que je veux. Je vais vite mettre tout ça dans ma bouche. Hé, rendez-moi mes vêtements! Oh, bonjour. Désolée, mais je vais faire la sieste là. N'avancez pas plus! Vous ne pouvez pas avoir de nourriture ou de boisson avec vous ici. Mais mon goûter! Qu'est-ce que je vais faire? Oh, c'est quoi ça là-bas? Oui, cet aquarium me donne une idée. Ok, j'ai mon sac de Sprite, ça ressemble à de l'eau. Et j'ai mon requin en bonbon. Va dans l'eau, petit poisson! Oh, c'est mon poisson de compagnie! Oh, trop mignon! Allez-y, passez! Mon poisson et moi vous remercions. Juste une seconde. C'est le moment de prendre une gorgée. En voilà un bon Sprite au poisson. Hé, qu'est-ce que vous... Oh, désolée. Il faut croire que j'ai entendu des voix. C'était moins une. Je l'entends encore, ce bruit. Je pourrais jurer entendre quelqu'un boire. Cette fois, je vais la prendre sur le vif. Ah ah! Attendez, qu'est-ce que vous faites? Non! Ne mangez pas votre poisson! Oh non! Oups! Je vais juste prendre une autre gorgée. J'adore le Nutella! Je pourrais passer ma journée à en manger. Arrêtez-vous là! Le chocolat est interdit! Au revoir, Nutella! Je vais aussi avoir besoin de ça! Lâchez-la! Mais c'était ma dernière cuillère! Bon, je vais prendre ça à la place! Méchante! C'est pour ça que personne n'aime le dentiste! Hé! Je crois que j'ai une idée! D'abord, je vais avoir besoin de mon cher Nutella! Oh, c'est tellement bon! Ensuite, il va me falloir un tube de dentifrice vide. Et hop, vas-y, Nutella! C'est ta nouvelle maison! Et voilà, la quantité parfaite! Maintenant, il faut juste que je referme l'extrémité. Je vais me servir de ce fer à lisser. Bonjour, monsieur! Je suis Toutoui! Il faut vraiment bien se brosser toutes les dents. Je vais vous montrer ma propre technique. Oh, ça, je peux le faire! Ah, ce dentifrice donne envie. Voilà comment il faut brosser. Oui, c'est le meilleur dentifrice du monde. Alors, montrez-moi ce que ça donne. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Montrez-moi ça. Ce n'est pas du dentifrice, c'est du Nutella. Vite! Je m'enfuis! Encore une patiente qui part en courant aujourd'hui. Oh, c'est plutôt bon en fait.
Je ne veux aucune tricherie pendant l'examen. Qu'est-ce que c'est? Comment c'est arrivé là? J'étais persuadée que ça marcherait. Bon, Stacy, tu es la suivante. J'ai besoin d'une minute. Je ne veux pas que la prof trouve mon téléphone. Mais comment je vais réussir à le passer en douce? Grace, tu ne tricherais pas, n'est-ce pas? Moi? Non, jamais. Attends, j'ai une idée. Il me suffit d'emprunter les claquettes de Grace. Les voilà. C'est le crime parfait. Il faut que je fasse quelques modifications. Un petit coup par-ci, un petit coup par-là. Ça devrait le faire. À présent, je peux mettre mon téléphone dans la semelle. Personne ne saura jamais qu'il est là. Entre, Grace. J'espère que ça va marcher. Il faut juste que je sois naturelle. Tout semble en ordre. Je ne trouve aucun signe de tricherie. Je suis étonnée. J'étais sûre que Stacy allait tricher. Enfin bref. Bien, aujourd'hui j'ai décidé de pimenter un peu les choses. Rangez vos livres, c'est trop barbant. À vous de jouer. À la place, ce sera examen surprise de chimie. Sympa, non? Vous allez adorer. Non, je crois pas. Qu'est-ce qu'il se passe? Vous êtes vraiment rabat-joie. Peu importe, c'est moi qui commande, c'est l'heure de l'examen. C'est trop chelou, si ça peut lui faire plaisir. Et souvenez-vous, interdiction de tricher, je vous préviens. On va échouer de toute façon, alors qu'est-ce que ça peut faire? Finissons-en. Je vous regarde, avec mon œil de lynx. Gna gna gna. Quel enfer! T'as vu ces questions? Hé, qu'est-ce que vous faites? Je n'aime pas ça. Laisse-moi jeter un œil. J'ai dit pas de tricherie. Ouais, c'est ça. Je confisque ça. Et que je n'ai pas à revenir. Ok, là, je panique. Je dois faire vite. Le monde est trop cruel. Waouh, cette lampe est magnifique. Oh non, elle ne marche plus. Hé, Emily, est-ce que c'est un téléphone? Donne-moi ça. Tu me déçois. Tu pourras le récupérer après le cours. Vous et vos téléphones, je ne comprends pas. Oh, j'avais presque les réponses. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il faut que je réfléchisse. Hé, je peux peut-être utiliser cette gomme. J'ai une super idée. Finalement, je vais peut-être y arriver. Madame, je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? D'accord, mais tu y vas toute seule. D'accord. Il est temps de se mettre au travail. Tout ce dont j'ai besoin, c'est une gomme et un couteau. Je vais couper la gomme en deux. Puis, je vais coller un morceau de papier adhésif par-dessus. Maintenant, je peux écrire les réponses dessus. Je dois écrire petit, il me les faut toutes. Enfin, je replie la gomme. Maintenant, je peux retourner en classe. Essayons encore une fois. Sois cool! Pourquoi t'as l'air aussi détendu? Regarde ça, j'ai toutes les réponses. Et la prof ne se doute de rien. Est-ce qu'il me faut des tomates? Oui. Waouh, c'est génial! Emily, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu triches? Quoi? Non, jamais de la vie! C'est juste ma gomme! Vous voyez, pas de triche! Et si je peux me permettre, top l'examen! Je crois qu'elle a tout gobé! C'est un excellent examen! Merci! Voilà, j'ai terminé! Je sens que je vais avoir une bonne note! Et moi, je vais avoir cette gomme! Viens par là, ma précieuse! Tu es à moi! Rien qu'à moi! Qu'est-ce que... Il y a un verrou là-dessus ou quoi? Je ne comprends pas ce qu'il se passe. J'abandonne. Elle se croit maligne avec ses gommes fantaisies. Bonne chance, je file. Oh, c'est déjà le matin. Encore 5 minutes. Je faisais un super rêve. Hein? Quoi? Quelle heure il est? Oh non! Je suis en retard pour l'école. Il faut que je me dépêche. Allez, je dois bien avoir quelque chose à me mettre. Bon, ça fera l'affaire. Je peux encore prendre le bus. Attends! Non, revenez! Attendez-moi! Oh, quelle poisse! J'ai pas le temps pour ça! Oh, je ne suis pas en forme! Au moins, je fais un peu de cardio. Hein? Mathieu? Désolée, je suis pressée! Ah, c'est vachement mieux! Il y a des freins là-dessus? Je vais terminer à pied. Non, je n'y crois pas! Incroyable! Heureusement que j'ai mis des chaussures plates! À plus tard, petit chaton! J'y suis. Désolée, j'ai raté mon réveil. Tu vas bien? Tu transpires. Genre, vraiment? Encore une matinée mouvementée. J'ai dû venir en courant. C'est pas pour rien que je ne fais jamais de sport. C'est quoi cette odeur? Je crois que je vais vomir. Oh non! C'est vraiment affreux et tellement embarrassant. C'est pas terrible, mais ça va aller. Je peux t'aider. Il te faut juste des serviettes hygiéniques. Il va me falloir ton haut. Allez, enlève-le! Fais-moi confiance, ça va marcher. D'accord, Mathieu, ne regarde pas. Merci, ça ne sera pas long. D'abord, je dois retourner le haut. Ensuite, je vais retirer le papier de la serviette hygiénique et je la colle sur le haut. Je vais mettre des serviettes sur toutes les zones susceptibles d'être tachées de sueur. Encore une et ça devrait aller.
Et voilà! Quoi? Comment c'est possible? Waouh, ça change! C'est exactement ce qu'il me fallait! Merci! Ça sent vachement bon! Ça ne pue plus! Ça va, Stacy? Finalement, ce n'est peut-être pas une si mauvaise journée! Je suis en avance pour le cours! Je vais écouter de la musique avant que le prof n'arrive! Où sont mes écouteurs? Oh, les voilà! Ça va me détendre avant le cours! Quoi? C'est trop bizarre! Mes écouteurs se sont transformés en chocolat! Qu'est-ce qu'il se passe? Attends une minute, je crois savoir ce qui s'est passé. Waouh, c'est joli! Je suis la fée du chocolat et j'aime apporter du bonheur en chocolat. Délicieux! Oh, qu'est-ce que c'est? Et si je m'amusais un peu? Je veux dire, tout le monde aime le chocolat. Elle a raison, j'adore le chocolat! Je vais me régaler! Attends, c'est peut-être pas la fée du chocolat? Oh, qu'est-ce que c'est? C'est rigolo! Hé, ne touche pas à ça, c'est à moi! Moi, j'ai jamais de jolis trucs comme ça! Stacy est trop méchante! Quelqu'un m'appelle! Oh, c'est Jake, mon chéri! Il est chou! Salut, bébé! Je vais lui montrer, j'ai une super idée! C'est bien, Rover! Fais ce que tu as à faire! Quelle grosse crotte! Tu es un chien très intelligent! Il ne me manque qu'un ingrédient! Ah ah! C'est parfait! Elle est toute fraîche! Excellent! Je ne vais pas toucher ça, c'est dégueu! Heureusement que je suis toujours préparée! Ça fera l'affaire! Je vais remplir la seringue de caca! J'ai du chocolat pour mon goûter tout à l'heure! Faire des blagues, c'est pas de tout repos! Ça devrait suffire! Maintenant, je peux l'injecter dans l'étui! Et l'autre côté! Et voilà, il faut attendre que ça durcisse! Je pense que ça suffit! Ça a l'air bien! Je ferai mieux de les remettre à leur place. Ça apprendra à Stacy de ne pas partager ses affaires. Salut, à plus tard. C'est le meilleur. Sois cool, elle ne se doute de rien. Je dois aller à l'école. J'ai juste à faire mon sac et je peux y aller. Il ne faut pas que j'oublie mes écouteurs. Oh non, surtout pas. Ce n'est pas possible. Non! Tu mets du fond de teint? Est-ce que tu en utilises beaucoup? Moi, j'en mets des tonnes! Je pourrais nager dans une piscine de fond de teint. De toute façon, on sait très bien que le processus est toujours plus désordonné que le résultat. On n'oublie pas le rouge à lèvres! Et enfin, on estompe! Alors, pas mal, non? Dommage que le maquillage soit interdit ici! Waouh, génial! Il n'y a personne! Je n'ai qu'à passer la sécurité et à moi l'après-midi de rêve. Salut, je viens pour faire trempette. Dans ce cas, je vous conseille de vous débarrasser de tout ce maquillage. Sinon, dehors. Sérieux? C'était pas la peine de me crier dessus. Je ne vois pas quel est le problème. Je ne vais tout de même pas le jeter. Je n'ai qu'à le planquer. Et voilà, problème résolu. C'est parti. Je peux entrer maintenant? C'est bon, vas-y. Merci beaucoup. Tu crois que je ne vois pas ce qu'il y a dans tes poches? Pas de maquillage ici. Oh. Je pense que cette fois, c'est bon, non? Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, c'est un petit nécessaire. Rien de bien méchant. Ah oui, j'ai aussi une rame. Je crois qu'il faut que je change mes lunettes. Ah, et le plus important, je ne sors jamais sans. D'accord, c'est bon. Ah, merci. Enfin, j'ai cru que je ne rentrerais jamais. Heureusement que les pistolets à eau sont autorisés. Il est l'heure de faire une petite retouche, justement. Mes imperfections ne vont pas se couvrir toutes seules. Ah, parfait. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas? Je dis pas de maquillage! Revenez ici! Oh! Je n'ai rien vu du tout, moi! Hé! Nourriture interdite! Allez, reviens quand tu auras fini! À ton tour! Voyons si tu caches quelque chose! Oh non! Faut pas qu'il trouve mes bonbons! Hé! Son collier! Ça me donne une petite idée! Eh oui, ça va marcher, c'est sûr. Voilà. Et en plus, c'est la classe. Qu'avons-nous là?
C'est bon, tu peux y aller. Super, j'ai réussi à entrer. Et maintenant, goûtons ça. Est-ce qu'elle vient de manger son collier? Toi aussi, tu as vu ça? Hé, on peut en avoir un bout? Bien sûr, tenez! Merci, c'est délicieux! Excusez-moi, mademoiselle. Vos cosmétiques dans la boîte. Oh, mais je n'ai pas de maquillage sur moi, madame. Vraiment? Eh bien, voyons ça. Non! Je perds contrôle! Ah, elle est devenue indépendante! Non! Pas mon cartable! Je n'ai rien pu faire contre sa magie. Elle m'a bien eu. Mais pourquoi est-ce que notre prof est si sévère? Tu m'as trahi. Je ne pourrai plus jamais te faire confiance. Allons! Ne pleure pas. J'ai une solution pour toi. Si tu n'as pas droit au maquillage, sois créative. Personne ne remarquera tes crayons cosmétiques parmi tes fournitures scolaires. Tu seras toi-même bluffée. Tu vois? Et hop, dans la boîte! Tu as besoin de retoucher ton eyeliner? Vite, la prof va nous voir! Tu vas adorer! Oh, tu t'es vraiment dépassée, Annie! Les filles, qu'est-ce que vous manigancez? On colorie! C'est tout, madame! Vraiment? Laissez-moi voir ça! Les voilà! Il y a quelque chose qui cloche. On va se faire attraper! Je ne veux pas aller en col! Non, ils ont un goût normal. Ouf! On l'a échappé, Belle! Salut! Je suis venue faire la fête! Hé! Nourriture et boissons interdites! Ah! Mais je n'ai rien sur moi! Votre chewing-gum, il compte! Crachez-le! Je peux y aller maintenant? Pas si vite! Je vais te scanner! Je sais pas… Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, je sais! Tes cheveux! Oh non, 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 non! J'en ai pas fini avec toi. Attends-moi ici. Avec ça, tu ne peux rien me cacher. C'est bon, j'ai fini. Tu peux y aller maintenant. C'est pas trop tôt? Waouh! La musique est super! Et bien sûr, j'ai mes bonbons secrets! Des Starbursts! Ils sont faciles à transformer! Alors je les ai posés sur des faux ongles! Une fois qu'ils ont eu la bonne forme, j'ai mis les ongles! Et voilà! Une manucure de bonbons! Un bonbon au bout de chaque doigt! Et sur mon pouce aussi, bien sûr. Ma manucure terminée, je suis allée en boîte. Et maintenant, je peux me régaler. Mais elle vient de manger son ongle. Quoi? C'est dégoûtant. Allez, on se tire. Une seconde. On s'arrête. Qu'est-ce que c'est que ça? Je viens remplacer la boule disco. Ah, d'accord. Allez-y. Pourquoi est-ce que tu as apporté une boule disco? Oh, c'est pas une boule disco! Je vais vous montrer! D'abord, j'ai pris une petite pastèque. J'ai attrapé ma bombe de peinture argentée comestible. Et j'ai recouvert la pastèque entièrement. Ensuite, j'ai fait de petits carrés de papier aluminium. Et je les ai collés sur le pastèque. Je les ai alignés bien régulièrement. Et voilà le résultat! Qui veut de la pastèque? Waouh! Elle est super fraîche! Il faut rester hydraté si l'on veut faire la fête toute la nuit! Arrêtez-vous là! Qu'est-ce que c'est? C'est pour remplacer la boule disco! Je suis le réparateur! Mais si vous êtes le réparateur, alors qui est?
Cette boîte est vraiment étrange. Ah, mes yeux se ferment tout seuls. Ce cours est un vrai somnifère. J'ai dormi combien de temps? Il ne reste qu'une demi-heure. C'est dur d'être créatif quand on est fatigué. Regarde, Kevin vient d'entrer. Il est tellement chou. Comment sont mes cheveux? Ah! Je ressemble à un zombie! Annie? Annie? C'est à moi que tu parles? J'ai entendu mon nom. Mais comment tu fais pour être parfaite? Et où est ton maquillage? Alors, tu me révèles ton truc? Tout est là-dedans, du fard à paupières secret. Tu as besoin que d'une gomme classique. Tu dois y tracer un rectangle, comme ça. Ensuite, tu découpes cette partie et tu y verses ton fard à paupières préféré. Tu n'as plus qu'à tasser le tout pour que ce soit bien régulier et tu remets la gomme dans son étui. J'ai bien fait d'apporter mon pinceau. Une petite retouche peut faire des miracles. Jolie, pas vrai? Je n'ai plus cet air endormi. Et maintenant, on referme. Rusé! Salut toi, est-ce que je peux? Waouh, tes yeux sont magnifiques! Je n'en ai jamais vu de plus beau! Eh oui, je sais! Waouh, Kevin est amoureux de moi! Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire qu'elle soit assise juste à côté de moi. Elle est si belle. Ok, c'est ma chance maintenant que le professeur est distrait. C'est l'heure du chocolat. Elle est sérieuse? Je la vois. Oui, regarde ce magnifique chocolat. Non, il est à moi maintenant. Oh, quel dommage, elle vient de perdre son chocolat. Hé, attends une seconde. Je pense que je peux l'aider. Hé, j'ai ça pour toi. Pourquoi j'aurais besoin de ça? Ça va. Je ne... Waouh! Le sommet s'est retiré. Regarde à l'intérieur. Fais-moi confiance. D'accord. Waouh! Du chocolat! Incroyable! N'est-ce pas? On dirait presque de la magie. J'ai pris les crayons de couleur et coupé le fond. Ensuite, j'ai sorti mon pistolet à colle. Je voulais les coller ensemble, rangés. Parce que je ne voulais pas qu'ils gigotent. Je me suis assuré de mettre une bonne quantité de colle. Il n'y avait donc aucun moyen qu'ils bougent. Ensuite, j'ai pris la boîte de crayons. J'ai ouvert la boîte bien grand. Et ensuite, le chocolat est entré en action. Il s'est simplement laissé glisser à l'intérieur. Et ensuite, les crayons ont été placés au-dessus. Tada! Waouh, tu es si intelligent! Est-ce que le professeur regarde? Voilà, tu y as droit aussi, c'est équitable. Je n'arrive pas à croire qu'elle mange mon chocolat. C'est le plus beau jour de ma vie. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je me suis levée en retard! Bon bah... Bonjour! Pas si vite! Est-ce que tu as quelque chose à me dire? Le voilà! Les téléphones sont interdits, tu te souviens? D'accord! Merci! Et maintenant, arrange-moi ces cheveux! Quelle toupet! À moins que... Mais bien sûr! Je reviens tout de suite! Tu veux cacher ton téléphone? Utilise de la pâte à modeler, colle-en une boule sur le côté de la brosse, mets-en tout autour. Le truc, c'est de couvrir tout le bord du téléphone. Maintenant, on ne le remarque plus. Et ça fait une poignée pratique. En plus d'être jolie, je suis un génie. C'est bien mieux, n'est-ce pas? Je peux? Oh, ce miroir est vraiment net. Je ne l'avais jamais remarqué. Tiens, tu peux la garder. Et tu peux entrer en classe. Super! Oh non! Ils confisquent encore les téléphones! Il faut que je trouve une solution.
comment est-ce que je vais le faire entrer? Ce type n'est d'aucune aide. C'est tout un monde là-dedans. Ah ouais? J'ai trouvé! Vous allez voir. Pris, c'est à moi que tu parles? Je peux? Jamais de la vie! Oh, s'il te plaît! Ok, mais ça coûte un bisou! Burk! Mais bon, ok! Tu vas voir comme elles sont douces et humides! Tiens, embrasse ça! Oh, c'est doux! C'était super! Tu peux avoir l'aquarium! Et maintenant, on va voir ce qu'on va voir. Une bonne chose qu'il me reste ce sandwich. Assure-toi que ce soit bien étanche. Les pierres le recouvrent entièrement. Tu vois? Je suis sûre que ça va marcher. C'est parti! Bonjour! Hé, j'adore les poissons! Tu peux entrer, Annie? C'est l'heure d'aller à la pêche. Excuse-moi, mon mignon. Parfaitement sec. Le plastique fait des miracles. Oh! Je ne vous avais pas vu. Vous voulez écouter? Je suis pas sûre que ça vous plaira. Voilà le refrain! Ça suffit! On arrête tout! Oh, tiens, un oiseau! Salut! J'ai failli me faire prendre. Mais je sais quoi faire. Voyons. Non, pas ça. Voilà! Exactement ce que je cherchais. Tu vois ce dévidoir? Retire son rouleau et mets ça à la place. Parfait! Pas si vite! Je vais te scanner. Rien n'échappe au détecteur. Oh là là! Encore rien! Ok. Ah ah! La main dans le sac! Mais c'est du scotch! Mais comment est-ce possible? Allez, entre! Ça a marché comme sur des roulettes! Et en plus, c'est pratique! C'est l'heure du solo de guitare! Tu peux le faire! C'est tellement stressant! J'espère que c'est bon! J'ai fait de mon mieux! Je m'en suis bien sortie? Bien sûr que non! J'ai tout faux, pas vrai? Je ne sais même pas pourquoi je m'embête! C'est trop dur! Admirez les intellos! Il suffit d'ajouter ceci! Tada! Oui, je sais, je suis un génie! Quoi? J'en reviens pas! Wouhou! Enfin libre! T'as vu la tête de la prof? Je n'arrive pas à croire que Kevin ait mis un coussin sur sa chaise. T'es amoureuse de Kevin, nananère. Hé, arrête de me tirer les cheveux. Stop. J'ai un truc à te montrer. C'est ma nouvelle peluche. Oh, elle a l'air toute douce. Mais regarde un peu ça. Hein? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh non, mes stylos ont fui. Quel bazar! Maman ne va pas être contente! Donne-moi ça! Je suis très déçue! Y'en a marre! Va-t'en d'ici! Tu fais honte à toute la famille! Où est-ce que je vais aller? Eh bien, voilà! Je suis une nomade maintenant! Il n'y a que moi et cette route! Et cet ours gigantesque! Il veut peut-être un câlin? Ou pas? Ça ne peut pas se finir comme ça! Je refuse d'être mangée par un ours!
Je crois que j'ai une idée. Je vais mettre de la colle sur la boîte de chips. Je vais faire un grillage. Je fais presque tout le tour et je laisse un espace. Ensuite, je mets une fermeture éclair dessus. Voilà, une nouvelle trousse rien que pour toi. C'est pour moi? Elle est géniale! Waouh! J'ai hâte de m'en servir. Où sont mes stylos? C'est pile la bonne taille. T'es la meilleure, Mickey. Ouais, c'est bien vrai. Et modeste avec ça. Votre attention, c'est l'heure de l'examen. J'ai veillé à ce que ce soit super compliqué. Bien, voici la première question. Quelle est la solution alcaline? Celle-ci ou celle-là? Je sais! C'est la bleue. Qu'en penses-tu, Stacy? Tu es d'accord? Je sais pas trop. On l'a déjà vu, tu devrais le savoir. Regardez-moi ce bazar! Il faut vraiment que tu... Hein? Bon, d'accord. Essayons autre chose. Qui est cette personne? Ça aussi, je le sais. C'est un mec avec une drôle de coupe. Techniquement, tu as raison. Elle est douée. Qu'est-ce que c'est, ça? J'en sais rien. Je sais. C'est un bécher. Tu t'en sors bien, Mickey. Merci. Pourriez-vous résoudre cette équation? C'est pas facile. Incroyable! Quelle saleté! N'oubliez pas de vous servir de... Hein? Vous avez vu ça? Bref, il y a 4 réponses possibles. Oh, c'est trop dur! Pas pour moi! Comment est-ce qu'elle connaît toutes les réponses? Non mais sérieux, elle n'est pas aussi intelligente. Je suis impressionnée, Mickey. Je suis sûre qu'elle triche. Je peux t'aider? Quelqu'un a griffonné sur tout le tableau. Je vais le faire briller comme un sou neuf. Hé, mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Lâchez mon chiffon! Je ne plaisante pas! C'est maintenant ou jamais. Il me faut juste un petit coup de pouce. Vive la technologie! Où j'en étais? Stacy, est-ce que tu triches? Moi, pas du tout! Bon, d'accord. Psst! Stacy, passe-moi le téléphone! Vite, avant que la prof ne le voie! Merci. Voilà la prochaine question. Je sais quoi faire. Chut! J'applique un peu de colle sur le bord de la coque. Et j'en remets juste à côté. Ensuite, je colle un crayon dessus. Je colle des crayons sur toute la coque de téléphone. Jusqu'à la recouvrir entièrement. Voilà la solution à tous vos problèmes. Bien, qui peut répondre à cette question? Mickey, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Ça, c'est juste mes crayons. Bon, très bien. Tiens, attrape. Waouh, merci. Je vais le mettre là. Comme ça, j'aurai toutes les réponses sous la main. Allez, nous n'avons pas toute la journée. Quelle est la réponse? C'est vraiment génial. Je sais. C'est celle-ci. Excellent. Merci, Mickey. Attendez, je dois retoucher mon maquillage. C'est bon, je suis prête. Voyons voir. Hé! Oh mon Dieu! Je suis super en retard! Oh! Du maquillage! Je peux te l'emprunter, s'il te plaît? J'ai pas eu le temps. Non, désolée, je ne peux pas te le prêter. Elles sont bizarres, ces deux-là. Mais tu ne vas pas me laisser en plan comme ça! Donne! Non, mais... Je demande juste un peu d'aide. Hein? Mais pourquoi ça marche pas? Je crois que ton maquillage est... Ah! Je vois! Cette fille vient de lécher du maquillage. Allez-y! Dégoûtant! Quelle bonne idée d'avoir caché tes bonbons comme ça! Eh oui, c'est une bonne petite solution! Miam, délicieux! On va passer une super soirée. Joyeux anniversaire! Oh, merci! Elles sont pour toi! Vous êtes les meilleures! Je me demande ce que c'est. Tiens, j'espère que ça va te plaire! Waouh, vous me gâtez! J'ai tellement de chance d'avoir des amis comme vous! Vous plaisantez? Waouh!
Quoi? C'est l'anniversaire de Stacy? Salut! Salut, Emily! Merci encore! J'ai complètement oublié! Qu'est-ce que je vais faire? J'ai peut-être quelque chose dans mon sac que je peux donner à Stacy. Peut-être qu'elle aime les poulets en caoutchouc? En y réfléchissant bien, peut-être pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un jouet en forme de caca? Ça fait toujours sourire! Non, je ne peux pas lui donner ça! Un nouvel iPhone! Waouh! C'est l'enfer! Elle va être fâchée! Peut-être que je peux lui acheter un cadeau après le cours. J'espère que ça ne la dérange pas. Ces fleurs sentent super bon! Je sais! Je vais lui faire une carte. Après tout, c'est l'intention qui compte, non? C'est affreux! Il faut que je trouve quelque chose! Une minute! Je crois que j'ai trouvé! Je sais quoi offrir à Stacy pour son anniversaire. Il est temps de se mettre au travail. Je commence par dessiner des points sur la couverture de mon cahier avec un surligneur bleu. Je vais faire un motif au hasard. Je vais faire la même chose avec des couleurs différentes. Je vais continuer jusqu'à ce que je remplisse la page. C'est très bien! Je pense que ça devrait le faire. Maintenant, je vais couvrir le cahier avec du scotch transparent. Je veux qu'il soit beau et lisse. Puis, je vais couper l'excès de scotch. Le dernier bout! Maintenant, je vais tamponner de la peinture noire sur le scotch. Pour une application homogène, tu peux utiliser une éponge. Il faut que je passe bien partout. Maintenant, j'attends que la peinture sèche. Je vais utiliser une pique en bois pour graver un message sur la peinture. Ça va gratter la peinture noire et laisser apparaître les couleurs qui sont dessous. Le résultat est plutôt cool! J'ai terminé! Stacy! Joyeux anniversaire! Oh, Emily! Waouh! Merci beaucoup! Je l'adore! Viens par là, ma copine! Alors, tu as du gâteau? C'était un super film! Tu devrais le voir! Oh, Emily, viens t'asseoir! Salut tout le monde! T'as l'air en forme! Merci, Jake! C'est très gentil! Je peux le faire! C'est parti! Hein? Oh, mon crayon est cassé! C'est trop énervant! Oh, classique! Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? J'espère que j'ai un taille-crayon. Allez, j'ai tout le reste dans ma trousse à crayons! Je l'ai oublié à la maison! Hey Stacy, tu aurais un taille-crayon? Je suis pas sûre, laisse-moi vérifier. Oups, je suis tellement maladroite! Non, j'en ai pas, désolée! D'accord, trop bizarre. C'est quoi son problème? C'est le moment de briller! Je peux donner mon taille-crayon à Emily! Ou je peux utiliser la bague que je lui ai achetée. Ça vaut le coup d'essayer. Je vais enlever la pierre. Je mets un peu de colle sur l'anneau. Ça devrait suffire. Ensuite, je colle le taille-crayon dessus. Je remets la bague dans la boîte. C'est génial! Hey, Emily, c'est pour toi. C'est vrai? Waouh! T'es adorable. J'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Jake, c'est exactement ce que je voulais. Waouh! Tu le mérites. Je suis content que ça te plaise. J'ai hâte de la porter. C'est pile la bonne taille. Et c'est pratique. Tu es tellement attentionné, Jake. Et maintenant, mon crayon est taillé. Je ne risque plus de perdre mon taille-crayon. Et c'est grâce à toi, Jake. Merci, beau gosse. Ça aurait dû être moi. J'aurais aimé que Jake m'offre une bague. Les mecs mignons ne s'intéressent jamais à moi. Tu veux qu'on se voit plus tard? Je vais vomir. On a tout vu. Il n'y a pas de raison que vous échouiez. Pas d'échec, compris. Je m'ennuie tellement. J'arrive à peine à garder les yeux ouverts. Emily, c'est vraiment dégoûtant. C'est l'heure de l'examen. Je veux que vous répondiez à toutes les questions. Un examen? Génial! Voici les feuilles. C'est trop bien! J'ai hâte de commencer. Oh, désolée, j'adore les examens. Tiens. Waouh, merci. Ça risque d'être compliqué. Ah! Oh là là! J'ai eu peur! Désolée, je finirai mes ongles plus tard. Vous pouvez continuer. Super! J'arrive pas à écrire avec ce truc. Hé, Stacy, t'aurais pas un crayon? S'il te plaît, j'en ai vraiment besoin. Je n'ai que celui-là. Désolée. Oh, d'accord. Attends, j'ai une idée. Je peux prendre ton crayon 2 secondes? D'accord, mais il s'appelle Reviens. Je sais quoi faire. Je suis un génie. Je place le stylo sur une feuille de papier. Puis je la roule. Je m'assure que le papier soit bien serré. Avant d'arriver à la fin, je mets de la colle sur toute la longueur de la feuille. Et je termine de rouler. Je m'assure que ce soit bien collé avant de retirer le crayon de Stacy. Ensuite, j'insère une paille dans le rouleau.
Je colle une extrémité du rouleau et j'insère mon crayon à l'autre extrémité. Voilà, un crayon fait maison. Ça devrait faire l'affaire. Merci, Stacy. Pas de quoi. Qu'est-ce que je viens de voir? Ça marche. Je suis trop contente d'avoir pensé à ça. Je m'en sors bien. Oh, voilà Matthew. Salut. Et tu es en retard. Désolée, mais ça prend du temps d'avoir une coiffure aussi stylée. Il est tellement beau. Cette machine à vent est vraiment un bon achat. Waouh, regarde-le. Je suis beau, hein? Ouais, carrément. Je crois que mon cœur s'est arrêté de battre. Oh, mon crayon. Oups. J'espère que personne n'a rien vu. Comment est-ce que je vais passer avec mon téléphone? Je sais! J'ai juste besoin d'un peu de scotch double face. Prête? On vise et on colle! Oh! Essayons à nouveau. Ne bouge surtout pas! C'était pas moi! Ah, les allergies! Mais qu'est-ce qu'il a ce type? Allez, colle-toi! Là! Hein? Qu'est-ce que c'était? Salut! C'est à moi que tu parles? On dirait que j'ai une nouvelle copine! Vous êtes jolie aujourd'hui, Madame Smith! Oh, comme c'est mignon! Bonne chance aujourd'hui! Bonjour, Madame Smith! Bonjour, Annie! Voyons ce que tu caches! Jusqu'ici, tout va bien! Tiens! Ça n'a rien détecté! Je n'ai rien, je le jure! Si tu le dis... Comme une lettre à la poste! Merci de ton aide, mec! Il est temps pour moi de prendre un peu de Pepsi! Ah ouais! Voilà! Parfait! Ça va vraiment bien me désaltérer! Maintenant, j'ai aussi besoin de pop-corn! Les pop-corn et le soda forment vraiment une union parfaite. Mmm, miam, trop bon. Les douches sucrées sont les meilleures. Mmm, je vous aime, les douches sucrées. Oh mon Dieu! Oh, c'était juste un rêve. Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas lu l'affiche? Oh, non, elle a des ennuis car elle a des chips. Prenez vos chips et sortez d'ici. Hé, hey, avancez. J'ai pas toute la journée. Salut. Je suis prête à aller m'asseoir. C'est pas vrai. Ces boucles d'oreilles sont en réalité des bonbons en forme d'ours. Attends une seconde. Moi aussi, je peux faire ça. Waouh, ça donne trop bien. Ok, je suis prête maintenant. Waouh, j'aime vraiment vos bijoux. Très bien, vous avez l'autorisation. Vous pouvez passer. Merci. Le temps est presque écoulé, les enfants. Si seulement je pouvais avoir la réponse à cette question. Et peut-être celle-ci aussi. J'ai... fini. Comment ça se fait qu'elle soit si intelligente? Tout ce travail m'a donné faim. Je vais grignoter quelque chose. Tu en veux? Non! Tant pis pour toi, hein? Je déteste cet endroit. Gabi, on a du public. Je confisque ça. Non, c'est à moi! Oula! C'est dur à voir! Personne ne me laisse jamais manger en paix! Gabi, tu connais les règles. J'y peux rien, moi, si j'ai toujours faim en classe! Respecte les règles. C'est trop injuste! Ces chips sont vraiment les meilleurs! Je peux savoir ce que vous faites tous les deux. Comment il fait pour nous repérer à chaque fois? Oh, mes chips me manquent.
Il est assez flippant en plus. Je suis désolée, Gabi. Je ne vais pas me laisser faire. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai une idée. Prends un sac en plastique comme celui-ci et remplis-le avec ce que tu préfères manger. Moi, j'adore ces bonbons en ruban. Je les mets dedans et je referme le sac. Ensuite, direction le classeur. Perce des trous dans le sac avec les anneaux en métal. Ils sont faits pour ça. Et voilà! Regarde! Ça reste plat comme si c'était du papier. Est-ce qu'il regarde? À moi de jouer! Grignoter en classe vient de devenir beaucoup plus facile. Oh, donne-moi un! Quelle page tu préfères? Waouh! Tout a l'air délicieux! Je vais goûter cela, s'il te plaît. Miam! Trop bon! Qu'est-ce que vous faites? Rien du tout. Je ne vois rien. Cette fois. Ouf! On a eu chaud! Je n'arrive pas à croire que je suis clouée au lit! Pauvre Olivia! Je sais ce qui va te remonter le moral. Non? Tu as faim? Je sais que tu aimes le thé! Pas envie! Il ne me reste qu'une chose à faire. Ça devrait te faire rire. C'est pas drôle? Non! Et si j'enlève les maracas? Je veux mon maquillage! Oh! Je sais! Oh, saleté de graines de framboise! Arrêtez-vous là, jeune homme! Pas de maquillage! Sérieux? Ok! Comment épelle-t-on l'appendicite? Encore vous? Qu'est-ce qu'il y a sous cette frange? Bien tenté, mais non! Oh! Oh! Il est mignon, hein? Allez-y! Je suis là! Un ours? Pas juste un ours! C'est un nounours spécial! Attends une seconde! Tu as perdu la tête? Oh! Léo! Derrière toi! Donnez-moi ceci! Oh, désolée! J'ai vraiment essayé! Ce jeu va faire passer le temps plus vite! C'est super amusant! Je crois que je vais gagner! Bonjour! Pardon, mais vous ne savez pas lire? Sérieux? Dehors! Alors on aime jouer, hein? Attends… Bonjour! Quel est ce jeu? Je peux… Oui, bien sûr! Cool! C'est plein de maquillage! Je suis morte! À plus! Je veux vraiment voir ce film! Mais oui! Bien sûr! C'est encore moi! Une entrée! Un bras cassé, c'est pas drôle. Bon film! Ah, quel parfum! Où est Olivia? Tu es là! C'est trop gentil! Ah, tu as mal? C'est juste pour décorer. Bien joué! Waouh! Qu'est-ce que tu crois qu'il cache dans ce truc? J'ai envie de savoir! Hé! Hey, ma jambe! Au secours! Des bonbons? Madame? La fête est finie! À plus, Léo! Trop la honte! Oh, comme il est beau!
Pas si vite. Nous n'acceptons ni nourriture, ni boisson. Je dois vérifier avant de te laisser entrer. Hé, qu'est-ce que c'est que ça? C'est bon, tu peux y aller. Elle va me confisquer mes Skittles. Tiens, le guerrier barbu. Voilà la solution. Il me faut une fausse barbe et de la colle chaude, bien sûr. Je fais une ligne comme un sourire de smiley. Et ensuite, j'ajoute un bout de tissu. Ça me fait une poche et je vais pouvoir y mettre mes Skittles. C'est vraiment une super idée. Barbe en place, bonbons cachés. Allons faire la fête. Une seconde. Oh mon Dieu, c'est le guerrier barbu. Allez-y, monsieur. Super, j'ai réussi à entrer. Hé, jolie barbe. Elle te plaît? Elle cache des bonbons. Incroyable! C'est super cool! Je peux en avoir? Bien sûr, tiens! Hé, mec! Arrête de donner des bonbons à ma copine! Oh, désolé, t'en veux aussi? Waouh, merci, mec! Ouf! Ces bonbons viennent de m'éviter une belle raclée!